Salut tout le monde! Alors aujourd'hui, on se retrouve pour regarder l'épisode 2 de Hawkeye, donc la mini-série sur Disney+. Le premier épisode s'était arrêté où Hawkeye et Kate Bishop se rencontrent. Donc on va voir si dans cet épisode ça va un petit peu plus bouger. Et, oui, parce qu'on était un petit peu déçu du premier épisode, donc on attend, on peut voir ce que ça va donner. Ouais. Donc on va voir du coup si s'il va l'aider, s'il va reprendre un peu son rôle de mentor, comme il avait eu un petit peu ce rôle-là avec Wanda et Pietro un petit peu vers la fin de Avengers, l'ère d'Ultron. Donc on va regarder le deuxième épisode en espérant que oui, ça va plus bouger et on se retrouve tout de suite après pour faire un débrief sur cet épisode. Vous avez des milliers à toutes vos questions, j'en ai des milliers pour vous. En commençant par... Je peux avoir une dédicace? Non. Pas terminé. Mais après, vous pourrez me signer mon arc? Vous êtes mon Avenger préféré. Comment ça va? Ta blessure? Je vais bien. Ah oui, oh non, c'est pas méchant. Vous auriez dû voir les mecs en face. Je les ai vus. La mafia des survêtres. Ils s'appellent comme ça? Ils auraient pu trouver un peu mieux, non? Ma fille a des surfaites. Vous croyez qu'ils ont tué l'oncle du fiancé de ma mère? Parce qu'ils sont surfaites. L'oncle du fiancé de ta mère. Armand, troisième du nom. Ça va jusqu'à 7. J'en sais rien. Il n'y a aucun moyen qu'on fasse le lien avec le réfléchir en Europe. Aucun moyen. Faut que tu sois sûr de toi. Je suis sûr de moi. T'es certaine? Oui. Ils seraient tendus de suivre depuis les enchères jusqu'à l'endroit où je t'ai trouvé. Des arrêts quelque part entre les deux. Je suis juste passé déposer le chien. Il y a un moment sur l'interphone. Oh non, baisse-toi. Qu'il est ouf. Il a plus hier, ça se trouve. Bah, c'est surtout qu'il y a du cramé, non? Bah non, avec le... avec l'eau. Tranquille.
Il a l'habitude. Tu lui as dit. Ah, Nicolas. Je sens que c'est qui est allé. Non. Tranquille, il avait même laissé ses sacs dans le camion de pompier, quoi. Association de jeux de rôle. On va pas aller à ça quand même. Les c'est un mec, fait, un pompier que je vais prendre. Ouais. Le dessin, c'était pas ton truc. Très bien. J'aurais aimé pouvoir vous offrir une chambre d'hôtel, étant donné que tout ce qui s'est passé a l'air d'être entièrement de ma faute. Ouais, c'est ça. Il va rechercher. C'est moi qui l'ai tué. Je suis pas sûre que ce soit lui. Que ça a dû être un choc. Ce serait, c'est trop évident. Oui. Ouais. Un sacré choc. Tout ce vous étiez sûrement très proche. Oui, on avait une relation privilégiée. Non, mais là, ils mentent. Ils ont pas du tout une relation privilégiée. Ils critiquaient. Je peux tout expliquer, mais est-ce qu'on peut parler sans l'intrus au milieu? Sans l'intrus au milieu. C'est parfaitement logique, c'est normal qu'on se montre aussi. Ça va pas le faire, il faut juste que je lui parle. Je sais qui vous êtes, mais la plupart des joueurs que vous voyez sont soit des pompiers, soit des flics. Et si vous enfreignez le règlement, ça risque de... Ah, t'as raison, c'est un pompier. Voilà. C'est quoi le règlement? Votre nom, s'il vous plaît? Non, merci. Une adresse mail, peut-être? Secret défense. Et si je me contente de signer, comme ça, on pourra commencer la partie. Ils ne le reconnaissent pas. Ouais, c'est bizarre. Alors, sur ce parchemin, il y a les détails de votre mission.
Les joueurs débutants ne peuvent ressusciter qu'une seule fois. Si vous êtes touché sur le torse, c'est fatal. Observez ce que font les autres participants et amusez-vous. Qu'est-ce que je fais de ça? Ok, j'ai la merci. Non, attendez, attendez, vous oubliez vos armes. Le casque. Oh, le casque. Non, sérieux, je suis obligé. Ah, la tête qu'il va avoir. Il a pas pris le casque. Qui est tout qui met quoi. Voilà. Ah mais non. Ouais. La tête. Enfin, un qui le reconnaît. Laisse-moi d'abord te tuer. Non, ensuite, je te file la costume. Mais n'importe quoi. S'il te plaît, mon pote. Et dire que j'ai affronté Thanos. Et dire que j'ai affronté Thanos. Voilà. Quoi? Ah non, non, il faut que tu fasses croire que c'est vrai. On doit se battre en guerre. Je vous montre déjà. Que c'est mon brave? Non, non, c'est bon, ça ira. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut juste s'en parler? Si vous ne l'avez pas, vous ne récolterez pas les fruits. Il n'a pas bu la potion. Le vainqueur gagne les costumes. Embrassez. Mais c'est quoi ce bruit hein? C'est lui qui fait ça. Voilà. J'essaie de faire le champ, faut jouer le jeu. T'as l'air d'avoir une vraie passion pour les épées, Jack. Tu te défends? Je me débrouille. T'as ton équipement là-haut. Comment refuser? Elle a seulement dit pourquoi pas. C'est pas très convaincant comme argument. C'est même pas un argument important. Je vais m'en chercher maintenant. Je n'avais pas de protection, Bob, faut pas ramener. Oh, mais ça. Arrête de me laisser gagner. Je ne te laisse pas gagner. Honnêtement, attends. Tu es double championne d'État, non? C'est exprès. Ça va être le truc typique. Elle croit pas sa fille. Mais... Jack, tu caches quelque chose, maman? Tu trouves pas? Je trouve la rouge, là. Rouge, quoi. C'est ce qu'on avait dit. Ils sont tatoués à l'épée quelques heures plus tard. Vous êtes au courant d'un truc? C'est gentil de t'inquiéter pour moi. Désolée de t'avoir fait peur pour que t'arrêtes de mentir. Ta fille est vraiment très futée. Un caramel écossais? Ah. C'est les mêmes... même caramel chez... J'avais pas vu l'heure, j'ai un truc à régler pour le boulot. Peut-être. Rien, tout va bien. Salut messieurs, vous m'avez trouvé. Si t'es attendu quelque part, Rocaille, tu es trop tard. Allez, doux. Un peu vivant. Tu as laissé prendre. C'est son plan, je pense, peut-être. Vous savez que je vois à travers le sac. Ce qu'il a dit, il faut que je vous laisse attraper. Vous savez que je vois avec le sac. À travers le sac, sérieux, quoi. C'est quoi cette équipe de bras cassés, là? On dit que c'est jamais une bonne idée de rappeler coup sur coup, mais là, bah, ça a marché. Désolé. Clint Barton ne peut pas vous répondre pour l'instant. Ah, elle va tracer son téléphone. Oh, il fait tout critiquer aussi. Écoutez les gars, je suis pas celui que vous croyez, d'accord?
Si. Si je suis bien celui que vous croyez, mais je ne suis pas le gars que vous cherchez. C'est pas Kate Bishop. Kate Bishop, c'est le gars, mon pote. Kate Bishop, c'est pas un gars. Kate Bishop, c'est un costume. Ah. On t'a enlevé, monsieur petit rigolo. C'est qui notre otage? C'est toi. Mais tu vas tirer à... C'est toi le manager adjoint? Où est Kate Bishop? Je l'ai jamais rencontré, j'en ai aucune idée. Mon pas. Où est Kate Bishop? Allez, tu sais pas de qui vous parlez? Elle va arriver comme ça. Oh, d'accord. Si elle compte sur elle pour c'est le bon, sauver... C'est bon, c'est bon, je l'ai trouvé. C'est comment déjà? Ah le gang des survêtes, non? Des survêtes. La mafia survêtes, je sais pas. Hein. Ok. Donc un peu plus accroché cet épisode là. Ouais. Pourtant, il n'y avait pas beaucoup plus d'action. Mais c'était plus drôle. Ouais. Bah, c'est peut-être plus vu qu'il y a eu plus d'interactions entre Hawkeye et Kate. Mm. Donc, et puis son côté un petit peu protecteur, même s'il vient de la rencontrer, qu'il ne veut pas la mettre dans. Il veut la protéger et pas qu'elle se mêle de. Mm. Bah, qu'elle soit pas surtout punie pour des choses qu'elle a pas faites, parce que c'est pas elle de base qui est Ronan. Oui. Donc, ouais, moi j'ai. C'est Ronan ou Ronan? Hein? J'ai un doute, c'est Ronan ou Ronan? Ronan. J'ai dit Ronan. Et puis, j'ai préféré ce deuxième épisode. Mmh, moi aussi. Après. Après, il n'y a toujours pas Yelena, quoi. Je t'avais dit, hein, à mon avis, elle va pas y être tout de suite. Hein. Donc, le temps, je pense que le temps qui règle cette histoire-là, peut-être à la fin du troisième épisode, et après, ça va partir sur Yelena qui va venir, et du coup, une autre histoire par rapport à ça. Mais moi, je pense quand même que... Il fait partie d'un truc, le beau-père. Franck ? Je crois que c'est Franck. Ouais. Je pense que la mère, elle est pas nette. Enfin, il y a quelque chose de louche avec la mère. Tu penses que ouais. Moi, je pense qu'en fait, on se méfie du beau-père. Ouais. Mais que c'est la mère qui est dans un truc. Enfin, je sais pas. Ouais. Ça serait trop facile que ça soit le beau-père. Parce que sinon, tu le sais dès le premier épisode que c'est lui qui a fait quelque chose, quoi. Tu te méfies de lui dès le début, quoi. Il y a un truc louche avec lui, il y a un truc pas clair. Oui, quand même, peut-être parce qu'il lui dit qu'il était proche de son oncle, alors que c'est pas vrai du tout, il se détestait. Et t'as vu comment il se bat au niveau de l'escrime et tout. Mais je pense pas que ce soit lui qui l'ait tué. Ou alors s'il l'a tué, il y a une raison, je sais pas. Ouais. Je pense pas que ce soit le méchant de la mini-série. Bah, c'était un bon épisode. Pas excellent, mais ça se regarde. Il y avait de l'humour, comme à chaque fois dans les Marvel, il y a de l'humour, quoi. Mais je commence à plus apprécier Kate dans cet épisode. Je commence plus à apprécier le personnage que le premier. J'ai eu un petit peu plus de mal. Là, ça commence. Milieu de l'épisode, ça commençait. Donc j'espère qu'en continuant sur la série, ça va. Je vais de plus en plus aimer, mais
Mais c'est une série pour l'instant qui se regarde, mais je préfère quand même les autres séries qui sont sorties sur Disney+. Toujours pareil, ouais. Ouais. On va voir. Donc on va voir si au prochain épisode on va encore bien aimer ou on va être déçu, je sais pas. Mm. On verra bien. Donc dites-nous dans les commentaires ce que vous avez apprécié durant cet épisode 2 de Hawkeye. Et ce que vous avez moins apprécié, si vous avez accroché avec le personnage de Kate et le lien qui se crée entre Hawkeye et Kate. Et nous, on se retrouve très vite pour regarder l'épisode 3. Prenez soin de vous. Salut ! Salut !